tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de la Lauzerty sur Clash Royale. Et aujourd'hui, on se retrouve. Comment je peux définir ça? C'est pas un concept, c'est pas une présentation de deck, les gars. C'est unique, les gars. C'est alors là, et ça, ce n'est pas de la publicité mensongère. C'est moi qui vous le dis, les gars. C'est unique en son genre. Alors là, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs. Bon. Alors, pour ceux qui sont parachutés sur cette vidéo et qui ne connaissent rien à la chaîne, va falloir mettre sa ceinture de sécurité, parce que sinon, ça va pas être facile à comprendre, c'est moi qui vous le dis. Alors, tout simplement, sur cette chaîne est gouvernée par des partis, le parti du Golem Elixir, qui est majoritaire à l'Assemblée, mais pour combien de temps? Un parti contestataire du géant squelette. Un petit parti, un parti minoritaire du gobelin Serbacane, mais qui a été une carte historique et marquante de cette chaîne. Donc, elle a totalement sa place, le parti des molossistes et le parti du moine. Alors là, tous ceux qui sont nouveaux, mouillez-vous la nuque. On vous expliquera tout dans la première game. C'est parti. Bon, les gars, expliquez tout ça. Expliquez d'où est parti tout ça avec une game en fond. Ne serait-il pas plus détendant? Ah les gars, vous voyez, c'est à ce moment-là où j'apprécie peut-être le fait que j'ai une mémoire parfois défaillante. Donc les détails ne seront pas pour aujourd'hui, ça c'est une certitude. Mais bref, ça part, je sais même pas d'où ça part, mais c'est ça le problème et c'est ça qui est beau avec cette chaîne. C'est que parfois on se demande jusqu'où l'imagination humaine va. Et cette chaîne est là pour choquer. Voilà, c'est juste que... Bon, on avait l'habitude, voilà. Vous étiez motivés en commentaire à chacune des moindres vidéos sur le Golem Elixir. Et on a commencé la vanne de... Cette chaîne est gouvernée par des représentants du Golem Elixir. Et à en monter un parti. De là, les parties, au fil... Et au fur et à mesure de cette histoire, se sont, comme qui dirait, développés et multipliés. Et voilà, et un concept historique, le concept du deck 7.3, qui est toujours d'actualité. J'aurais pensé le plier plus vite. Est-ce que cela n'engage que mon talent? Peut-être. Voilà. Bon, alors franchement, j'ai levé les yeux du téléphone il y a 5 secondes. Et il y avait beaucoup de choses sur le terrain. Je me demande où elles sont passées. Voilà, là je mets en doute quelques trucs. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Mais c'est une folie. Bon, les gars, on va faire une croix sur cette tour. Voilà. Ça, je préfère vous le dire. Regardez-moi ça. Il joue au ping-pong. Les gars, en direct live, c'est quoi ce manque de respect? Là, j'en perds mes mots, là. Il joue au ping-pong avec mon moine. Allez, tiens. Tiens, bien fait pour toi, sale pêcheur. Ça, le pêcheur, pas ça le pêcheur. Non, alors là, si un parti du pêcheur émerge, sachez que je ne suis pas contestataire. Hein. Ça, c'est une certitude. Mais bref, on va remonter. Les gars, on va remonter, ne vous inquiétez pas. Alors là, il y a trois cartes. Il y a trois cartes qui... Fallait 8 cartes dans le deck, les gars. J'aurais bien voulu faire un deck à 5 cartes. On n'aurait pas gagné beaucoup de games. C'est moi qui vous le dis. Mais bon, du coup, je me suis dit, Zapiz pour leur polyvalence à toute épreuve. Un rage, parce que ne serait-il pas le meilleur ami du joueur Golem Elixir? Je pense que c'est. Bref, et une armée de squelettes, parce que voilà, il fallait un peu de diversité dans ce monde uniforme. Voilà. Là je cherchais mon mot. Let's go, première victoire, j'avais même pas vu. Oh les gars, je suis même plus dedans là. J'avais pas vu, je me suis dit, mais on va galérer à faire une seule victoire avec ce deck. Mais les gars, c'est une masterclass. C'est juste une masterclass. On part dans la deuxième game. C'est parti. Et les gars, pour réhabiliter ce qu'il y a à réhabiliter, voilà, on dit parfois que le parti du géant squelette est un parti contestataire. Mais ne serait-ce pas un parti unitaire, car c'est son représentant qui m'a soufflé à l'oreille cette idée de concept pour finalement réunir toutes les forces présentes sur cette chaîne et la faire avancer. Et ça, les gars, un jour, un grand homme a dit,
Pourquoi j'ai pas mis des flèches à la place du rage? Mais ça m'était sorti de la tête cette carte. Oh mais quelle naïveté. Oh mais quelle naïveté. Oh je la déteste. J'avais oublié. Bon bref, passons. Un jour un grand homme a dit: l'union fait la force. Voilà. Et ça c'est beau. Ça c'est une phrase que je me devais de placer. Mais les gars, le moine, il a toute sa place, mais qu'il y ait plus d'adhérents à ce parti, on va le populariser, cette carte mérite plus de lumière. N'ayons pas peur, et regardez, j'ai déjà, elle va aller prendre le focus de tout le monde. Mais regardez-la moi, non mais toujours là, à donner de sa personne pour la réussite collective. Ne serait-il pas la plus grande preuve de volonté de gagner? Voilà. Ça, c'est moi qui vous le dis. Et là, on est face à KO. Et là, on espère le mettre KO. Hein. Ça, c'est... Allez, hop, on part en zappy. On perd pas de temps, les gars. Ça, c'est... Ah bah avant tout, n'hésitez pas à vous abonner. Alors ici, là, c'est l'humour, c'est... C'est grand point de la chaîne, l'humour, ça c'est une certitude. Ok. Ah, je me trouve bien embêté là. Là, je me trouve bien dépourvu, hein, comme on dit. Ok, je vais le choquer. Non. Oh, j'ai voulu le choquer, j'ai pas réussi. Les gars, j'ai échoué dans ma mission. Mais patience. Voilà, patience. Ok. Il faut que j'ai un plan d'attaque. Les gars, le Molos, déjà, je pense... On pense que c'est un parti individualiste. Il va prouver sa collectivité au monde. Le moine évidemment, parce qu'il faut, gérer tout ça, là. Tout ça, toutes ces mauvaises herbes. Les gars, on est obligé de débroussailler un peu le terrain. Oh là là, le moine. Le moine, c'est quelqu'un. Ça, on me le fera pas dire. Parce que j'ai besoin de personne pour le dire. Ok. C'est pas... Oh non, mais pourquoi je me fais avoir à chaque fois? Mais la naïveté! Oh, c'est une folie. Ok, je vais choquer le monde. Les gars, préparez-vous, je vais choquer le monde. Ok, pas mal. Allez, renvoie tout. Oh oui, l'artificière, allez, tire! Allez, tiens, bien fait! Allez, bien fait. Ça, c'est bien fait pour elle. Les gars, elle le mérite. Avant tout, j'aimerais rappeler qu'elle le mérite. Voilà. Ça, c'est une réalité. Allez, cours, champion, comme un symbole! Non, j'avais oublié qu'il avait une Tesla. Oh, j'avais oublié ce détail. Allez, encore. Allez, gratte. Ok, je sais. Oh, il préchote. Oh, le body block. Allez, gars, bavez-vous. Non, qu'on me jette la pierre si j'ai déjà osé me plaindre d'une interaction sur Clash Royale. Ça, je pense que vous ne trouverez ça jamais. Jamais, ici, jamais. Alors là... Bon, bah, allez, GG. À moins que... Les gars, l'espoir était là. En plus, il nous BM. On peut pas se laisser faire comme ça. En plus, il nous met le poulet. Je sais, je manque d'inspi pour lui répondre. Là, pour tout vous avouer, on part dans la troisième game. C'est parti. Les gars, je me disais, il y avait un parti que j'avais oublié. Je savais plus lequel. Mais les gars, le parti du BM. Il faut que je représente. J'ai oublié ce parti également. Un parti. Alors là... Premier et unique actuel parti qui n'est pas sur une carte et en fait toute sa spécificité. Et ça c'est beau. Et là, face à Devil Drill, une Valkyrie, hein. Une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous dire, bizarre. Alors là, déjà étrange. On va lui mettre une petite pression. Vous voyez, ça, néant, ça c'est pas ouf ça. Ça, Devil, on sent qu'il a pas bien... Il a pas bien lu le... Comment la carte marchait? Ça, c'est... Oh, le Zapiz. Mais je vous l'avais dit que c'était un héros. Oh là là, mais c'est... Les gars, tout se passe trop bien, c'est surprenant. Ça, c'est même très surprenant. Hop! Excusez-moi. Là, les gars, ça ne m'arrive jamais, mais... Excusez-moi, je ne dois laisser aucun parti minoritaire ou majoritaire sur le côté. Ceci s'appelle la démocratie. Excusez-moi. Les gars, ce n'est pas de mon ressort et ce n'est pas non plus de ma volonté. Sachez-le ou non. Ok. Allez, les Zapiz. Oh là là, il panique sur les Zapiz. Oh, il y en a un en plus. Il en reste en vie, les gars. Il en reste un. Il en suffira d'un pour le faire trembler. J'ai plus de mots.
Là, je suis à court de mots. Peut-être une nouvelle révolution apportée à la méta. Ce ballon vient me calmer, là. Bien gentiment. Si on sauve la tour, déjà. Ouh, en vrai, c'est pas si mal. Hein. Cours pas trop vite. Il a pas regardé. Les gars, normalement... Alors là, conseil de prévention. Quand vous traversez la route, les gars, c'est à droite, à gauche, et après, on traverse. Là le dart... Lui, à droite, à gauche, il connaît pas, il est parti tout droit. Ben voilà, voilà. Qu'est-ce qu'il arrive quand vous partez tout droit? Une bombe. C'est ça le problème. C'est ça les jeunes de nos jours. Ils prennent plus le temps. Voilà. Ça, c'est bien envoyé. Ok. Le dart. Le dart, c'est quelqu'un. Un jour, faudra qu'on se le dise. Il a tout de suite su cerner le problème. Le problème étant ce dragon de l'enfer. Et il l'a focus. Voilà. On lui en demandait pas moins. Je me demande quand même, avec Dart et Zapis, comment ce ballon a réussi à connecter 4 coups sur ma tour. Mais bon, ça les gars, ça fait partie du folklore local. Ne posons pas trop de questions. Voilà. Ça, vous savez, il faut savoir s'abstenir quand l'abstention est la meilleure chose. 2 victoires. Les gars, 2 victoires, c'est le talent. C'est le talent qui parle. On part dans la 4e game. C'est parti. Et alors là, il fallait que j'aborde un sujet. 2 ans de la chaîne. Les gars, la chaîne a 2 ans. Alors oui, la chaîne a 2 ans. Vous allez me dire, depuis 3 jours. Oui. Est-ce que c'est moi qui me le suis fait remarquer à moi-même? Peut-être pas. Voilà. Est-ce que nous sommes dans une faille spatio-temporelle? Et en fait, en réalité, elle a 2 ans depuis 1 jour. Ou 2 peut-être, allez, 2. Mais quand vous entendrez ça, elle aura 2 ans depuis 3 jours, ou 4, peut-être. Mais les gars, ça c'est un secret, chut, on reste discret s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Non, les secrets de tournage là comme ça, les gars, c'est cadeau, mais ça ne sort pas d'ici. Hein. Bref. Bon, c'est vrai que j'envoie un peu ce genre squelette au casse-pipe. Hein. Parce que là, regardez bien la sorcellerie de cette carte. Hein. Elle va pas se faire toucher, et en plus, elle va partir de l'autre côté de la bombe. J'en peux plus, les gars, j'en peux plus de cette carte. Elle me traumatise. Elle me hantera jusqu'à mes derniers jours. C'est une folie. Je communiquerai pas plus dessus. Ok, on va pas le laisser. Les gars, on va pas le laisser au front. Allez. Bon, on aurait dû. Hein. Vous savez, des fois, à trop vouloir sauver tout le monde, on finit par sauver personne. Voilà. Ça, vous en faites ce que vous voulez de ce dicton. C'est la maison qui offre. Bon, on part molos. Je peux pas ne pas descendre. Je voulais me dire. Allez, encore. Ok, deux coups. Franchement, son pré-shot bûche, limite, il était pas rentable. Là, il a mis 7 élixirs. J'ai mis 3, j'ai concédé quoi? 1200? 1200 au bas mot? Les gars, je pense qu'on a fait une affaire. Oh non, pas elle, mais regardez cet enfer sur patte! Oh le bas où je vais. Bah vu que c'est la fête, balèze. Non, l'aise. Pas balèze, l'aise. Pas l'aise, bon bah. Non, je croyais. Les gars, mais qu'est-ce que je prends comme substance là? Je croyais que j'avais mis le moine, mais c'est pas possible. Non, je croyais que j'avais mis le. Bon bref, le gobelin. Les gars, je. Mais actif, pitié le moine! C'est un acte de haute trahison que de faire ça. Les gars, j'ai pas peur de le dire. Comment? Oh non, il me fait ça en plus. Mais je vais câbler. Regardez ce qui est en train de me détruire là. Les gars, quand je vous le dis, c'est pas des sornettes. Hein. Ça, on n'essayera pas de me le faire croire. Regardez là. Oh là là, heureusement qu'elle se prend une bombe, elle allait partir sur la droite. J'allais encore écrire un théorème dessus. Les gars, on garde toute la pression pour la dernière game. Voilà, une autre. Non mais finalement, un autre point fort de cette chaîne, un suspense à toute épreuve. Dernière game contre Phase. Et oui. Alors normalement, si j'ai bien fait les choses hier, mais là en fait, c'est comme si je vous liquais parce que techniquement la vidéo n'est pas sortie. Donc là, je vous fais une avant-première, mais après. Après la première. Donc en fait, c'est une après-première.
Ah, ça aussi, c'est unique au monde. Hein. Ça, je vous la ferai pas. Normalement, hier, qu'est-ce qui est sorti, les gars? Une vidéo historique qui fera date dans le YouTube mondial. Les 1000 win streaks sur Squadbuster. Alors là, là, si vous êtes fan de Squadbuster, vous n'hésitez pas. Hein. Ça, les gars, c'est cadeau. C'est moi qui l'offre. Hein. Et bref, voilà, un petit peu. Finalement, un petit peu de diversité ne fera pas de mal au monde. Voilà, ça. Ça, c'est bien dit. Il faut que je push. Il faut que je push. Oh, le moine, il est trop fort. Oh, pas elle. Mais vous voyez, quand je vous dis qu'elle est là toutes les games, est-ce que vous avez l'impression que j'abuse du tri? Moi, je pense pas. Voilà. Moi, je pense être parfaitement objectif avec la situation. Voilà. Bon. Misère. Tu l'as. Allez, champion. Allez, fais le taf. Oh là là, le géant. Oh, il est exceptionnel. Allez, donne. Les gars, s'il croit. Ah, si, phase. Ah, phase. Non, mais il nous fait bien rire. Là, il nous fait le mariole derrière son écran. Il n'y a pas de souci. Je crois qu'il n'a pas vu encore l'ampleur du deck. Je crois qu'il n'est pas prêt encore. Attendez. Laissez-moi réfléchir. Je vais le mettre devant. C'est quoi, je vais le mettre devant? Je vais le prendre de court, là. Oh, pétard. Ah oui, ça marche pas très bien. C'est... Bah nickel. Allez, vite. Le x2. Faut pas. Les gars, contre long. Attention. Là, ça peut être complexe. Là. Ok, faut que je le calme un peu. Faut que je parte en molos. Les gars, on a une seule solution. Et malgré des années de combat contre le molos, peut-être aujourd'hui, il va faire la différence et prouver au monde qu'il n'est pas seulement un contestataire sur cette chaîne. Voilà. Ça, j'ai l'impression que j'ai fini ma phrase un peu vite. Mais bon. Ok, allez, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît, les apises. Allez. Et plus vite, 22 secondes, les gars, on court contre la montre. Non, elle va me ruiner mes espoirs. Elle va tout me ruiner. Oh, j'aurais dû mettre le moine. Les gars, j'ai flop au moment où il fallait pas. Je suis dégoûté. Les gars, vous, sachez-le ou non, un jour, on reviendra et peut-être que de nouveaux parties auront émergé. Là, je suis bridé par mon stockage. Je peux même pas. Pardon au ministre de la dernière game qui réclame dans son programme une dernière game tout le temps victorieuse. Mon stockage m'en empêche, mais la volonté y est. Et vous savez, moi, je pense dans la vie que le plus important n'est pas de faire, mais de vouloir faire. Voilà, ça encore une fois, c'est cadeau, c'est moi qui vous l'offre. Les gars, qui sait, peut-être que dans un mois, deux mois, un an, de nouveaux parties auront émergé et cette vidéo sera menée au succès. Je pense qu'il faut ne pas être poussé à l'échec, mais plutôt accepter l'échec quand il en est un. Cette vidéo ne finira donc pas en positif. Mais les gars, j'espère quand même qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, le meilleur moyen de soutenir la chaîne, c'est de liker, c'est de vous abonner. Donc, n'hésitez pas à le faire si les vidéos vous plaisent. On se retrouve dès demain pour la vidéo du jour. C'était Lauzerti. À demain. Ciao !